Good morning, La France. This is Commander News on Europe 1. Le Commander News, toute l'actualité du jour, mâchouillée comme un capuchon de bique par Jérôme Commander. Bonjour Jérôme. C'est vrai. Bonjour à tous. C'est vrai que vous les mâchouillez vos capuchons de bique. C'est le retour d'Hillary Clinton dans la course à la Maison Blanche qui vous préoccupe ce matin. Il semblerait que la candidate démocrate se soit remise sur pied. Savez-vous où elle a passé ces derniers jours? Élément de réponse avec Gisèle Cathéter, la directrice du centre de soins Loulou Gasté de Perros-Guirec. Gisèle, vous nous entendez? Toufika. Vous envoyez notre RIB à Europe 1, s'il vous plaît. Je ne démarre pas l'interview tant que ces petits chameaux n'ont pas payé. Bonjour Julie. Bonjour Gisèle. C'est toujours un plaisir. Alors, vous avez un scoop à nous délivrer, Gisèle Cathéter? Ben oui, je peux le dire. J'ai eu l'autorisation du FBI. Madame Clinton se fait soigner chez nous, au centre de soins Loulou Gasté. Tiens. Nous avons une clientèle de VIP que je ne peux pas citer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a parmi nous un ancien président de la République qui a été maire de Paris. Le curé de Cam. Voilà. Ah, ça y est, il est réveillé. Monsieur Jaco, on met un bas de pyjama, hein? Sinon, pas de petit filou à 4 heures. Oh là. On revient à Hillary Clinton, Gisèle. Elle est censée sortir aujourd'hui hein, pour repartir pour les États-Unis. En plein dans le mille, roule ta bille. Madame Clinton pète la forme, il faut arrêter les médias. Encore cette nuit, elle faisait de la corde à sauter dans sa chambre. On aurait dit le Rheingals. Hein? Oh merde, on la perd. Toufika, passez-moi les électrodes. Je suis pas médecin, je regarde tous les jours le magazine de la santé. Ça va aller. Allez, Hillary, elle rit plus du tout là. On est à combien sur la machine? À 6, mettez-la moi à 12. Je m'en fous que ça peut électrocuter un cheval, Toufika. Allez. Eh ben voilà, ça repart. Qui s'inquiète ici? Hein? On en était où, Julie? Elle pète la forme. Voilà, c'est ça, elle pète la forme, tout à fait. Là, elle va mettre un fuseau, elle va aller faire ses 3 heures de boxe, comme Rocky. Madame Horner, Yvette, c'est pas un accordéon, vous vous êtes sanglé au fax. Oh non. Allez, je vous laisse, Julie. On a une grosse matinée, dis donc, hein? Vous le comprendrez. Hey, Gisèle, il y a des cigares dans ta clinique? Oh merde, il y a Bill Clinton qui déboule. Foutez Yvette Horner à la place de Madame Clinton, Toufika. On dira qu'on lui a fait une couleur. Allez, la bonne journée. Le Commander News, 7h25, tous les matins sur Europe 1, signé Jérôme Commander et son complice Benoît Houlion. Retour demain et à volonté sur Europe 1.fr.